Bonjour à tous et bienvenue dans Casual Suspect, où nous allons parler de PC, de jeux, de vidéos et peut-être même de jeux vidéo à l'occasion. Et cette semaine, le menu se compose d'une entrée avec un petit tour de table, comme plat de résistance et un petit débat du jour. Et puis enfin, vous prendrez bien un petit dessert parce qu'on va sûrement apprendre à connaître notre invité qui n'est autre que Gambilf. Bonjour Gambilf, bienvenue à toi. Merci de m'accueillir, bonjour. Mais bonjour, bienvenue dans ce live de l'impossible, puisqu'on avait voulu faire un live sur tous les supports et on s'est fait niquer. Voilà. Donc du coup, mais alors pour ce direct, je ne serai pas seul, parce que sinon, en fait, on va se faire chier. Donc du coup, je serai entouré de mes amis habituels. Je serai entouré donc de Lolo, alias Rorty, le tireur embusqué du Sud. Salut Lolo, ça va ? Salut à tous. De Didier, qui n'est pas là. Donc on fera plus tard. De Didier alias Elf Pinard, le seigneur d'Apex Land qui n'est jamais lésé par son réseau. Et seigneur, c'est bien AI qu'il faut le noter. Hein. Salut Didier, bienvenue à toi. Ça va ? Bonsoir les gars, ça va ? De Roro alias Rolandinho, le buteur émérite du groupe et amateur de la nature virtuelle. Salut mon Roro, comment tu vas ? Salut tout le monde. De Tom alias le Spacewalker, l'arpenteur de la galaxie et un peu notre petit Jésus perso. Quand même. Oula, salut. Voilà, salut Tom, bienvenue à toi. Salut. De Nerox, bonjour. Alias Nerux, comme on m'a dit de le dire, donc du coup je répète. Le sniper de la vanne toujours bien placé, même si des fois il y a des ratés, mais on t'en veut même pas. Ça va Nerox ? Ouais, ça va, nickel. Ok. Et enfin de Marc, alias Marc Second Degré, notre tireur débusqué de sa torpeur alors qu'il aspirait bien à la tranquillité. Bonjour Marc, ça va ? Salut, salut, ça va bien. Et en un mot commençant, nous allons commencer par un tour de table très classique. Donc messieurs, qu'est-ce qu'on attaque en premier ? Qui a envie d'attaquer ? Peut-être Tom, par exemple, si tu veux attaquer sur un sujet ? Moi, je voulais parler d'un petit jeu auquel j'ai déjà joué il y a quelques temps et puis je m'y suis remis, c'est Space Haven. Donc c'est un jeu de gestion, hein, vous savez que moi j'aime bien ça. Après c'est des graphismes un peu pixels, ça se passe dans l'espace forcément, et en fait tu builds un vaisseau avec un équipage que tu dois faire survivre, et tu peux looter des vaisseaux, tu peux monter, voyager en hyperspace et tout pour conquérir de nouvelles galaxies, c'est vachement sympa. D'accord. Après c'est graphismes pixels, donc j'en parle parce que je sais que ça freine certains. Mais le jeu en lui-même est génial, ouais. Space Haven. Alors je vais mettre voilà. Une petite image vite fait pour qu'on voit un peu ce que c'est. Je semble avoir vu la pub, moi, de ce jeu. C'est vrai que les graphismes m'ont repoussé. Ça arrive souvent. Le contexte a l'air pas mal, ouais. Mais à voir. Le jeu est vraiment sympa, ouais. Voilà, tu vois, je m'en donne envie d'essayer de coup. Alors, qu'est-ce que ça donne c'est un petit jeu de gestion, c'est ça ? C'est un truc où tu dois tout gérer ? C'est ça, tu dois... Ouais, exactement, tu dois build ton vaisseau, l'agrandir, construire de nouveaux équipements en fait, qui vont permettre d'améliorer le confort de ton équipage. Tu peux recruter encore plus d'équipage petit à petit. Tu peux, t'as des imprimantes 3D, donc tu peux fabriquer des armes, tu peux imprimer pas mal d'objets. Il est vraiment sympa. Il a l'air sympa, ouais, effectivement. Je regarde les images, il a l'air super sympa. Pas mal, hein. Je pense que ça peut tenter pas mal de gens. Alors du coup, c'est quoi la dynamique de jeu ? C'est plutôt, il faut que tu crées ta base et que tu survives par rapport à des ressources ? Ouais, en fait c'est ça, ouais. D'accord. Exactement, okay. Ouais, t'as des ressources à choper, donc t'as des sortes d'astéroïdes que tu peux aller miner. Et à côté de ça, t'as des sortes de vaisseaux épaves dans lesquels tu peux aller essayer de looter des matériaux, sachant qu'ils sont... Ils sont très probablement infestés d'aliens, en fait. Donc, tu dois t'équiper d'armes et aller les shooter si tu veux pas mourir. D'accord. Ok, ça, c'est intéressant. Voilà. Moi, franchement, ça m'intéresse, là, tu vois. J'ai très envie de le goûter, ce petit jeu. Je pense que tu as donné envie. Ça a l'air pas mal, ouais. Ouais, ça a l'air sympa. Surtout qu'on a des images qui passent en bas. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Effectivement, ça a l'air très fun. Du coup, alors, on a ce petit jeu. Alors, si jamais... quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas à rebondir sur n'importe quel sujet, hein, je tiens à le préciser d'office. Quelqu'un a quelque chose à nous présenter d'autre, ou est-ce qu'on part sur autre chose ? J'ai cette semaine, j'ai repris un petit jeu qui est pas mal, c'est Grand Dead. D'accord. Moi j'ai bien apprécié. Yes. Ok, parle-nous de Grand Dead, effectivement. Petit jeu de survie où on a été en fait rétréci à la taille d'une fourmi, quoi. Et on doit survivre au milieu du gazon, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est rétrécir les gosses en jeu, quoi. Okay. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est vachement sympathique parce qu'il y a beaucoup de craft.
Y a de la survie parce qu'il y a pas mal d'ennemis, type araignées, des punaises, des trucs assez, enfin, qui essayent de t'attaquer, quoi, de prendre le dessus sur toi. Et non, c'est vraiment, c'est pas mal. En plus, c'est plutôt bien fait. Je trouve les effets de lumière et tout, les graphismes, ils sont pas dégueux. Donc, ça rend assez bien. C'est un peu cartoonesque, comme je dis, mais ça va, franchement, ça passe. D'accord. Ok, bah moi je sais que j'ai testé celui-là, je vous le recommanderais aussi parce qu'il est très sympa, franchement. Après, ça dépend de ce que vous recherchez dans un jeu aussi. Hein, voilà, c'est pas forcément ouvert à tout le monde parce que c'est de la survie, c'est dur, mais c'est très sympa. Effectivement, c'est très sympa. Alors on va essayer de mettre des images. Il y a Clarius qui demande s'il y a un mode PVP en fait sur Grand Dead. S'il va y avoir un mode PVP en fait. Est-ce qu'il y en a un prévu ou... Le jeu est encore en développement, donc après c'est vrai que je sais pas s'il y en a une prévue. Pour l'instant, je crois pas, effectivement. Regardez, j'ai pas l'impression. Je pense pas, je crois que c'est plutôt une PVE, c'est une coop à 4. Ah, c'est plutôt un coop à 4. Hein. Ouais. On passe des images en ce moment d'ailleurs. C'est l'intérêt du jeu d'ailleurs. C'est vraiment un jeu en équipe et c'est... moi je trouve que c'est vachement bien réalisé. Quoi. Ouais, il y a pas mal de petites quêtes à faire et tout. Ouais, c'est, je pense que c'est plus basé sur la coop que sur le PVP. Ouais. Si vous voulez un petit jeu sympa où vous allez bien rigoler, à mon avis, c'est bien parti pour. Quoi. En tout cas, la charte graphique a l'air vraiment sympa. Ouais. Oui, ça a l'air c'est ce que j'allais dire en plus. J'allais te le couper pour te dire ça. Ouais, tout à fait. Je trouve que la charte graphique est très propre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça donne envie d'y goûter. Ouais. Ça donne envie d'y goûter. Carrément. Là, on voit un petit peu des extraits. Donc, du coup, on peut se faire un petit. Les viewers peuvent se faire une petite idée de ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à nous partager encore cette semaine dans ce tuto de table très classique ? J'ai quelque chose. Alors vas-y, Gambit, on t'écoute. Alors il ne s'agit pas de jeux vidéo, il s'agit plutôt de séries, et plus particulièrement la série Mandalorian. Le trailer est sorti récemment, oui, je voulais revenir un peu dessus. Le trailer de la saison 2. Saison 2, oh là 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 là. Il a l'air d'être un peu plus scénarisé que la saison 1, parce que moi, de mon point de vue, la saison 1, ça faisait un peu épisodique, un peu à la The Clone Wars, où un peu, enfin, tous les épisodes, ils se suivaient pas entre eux, et limite, tu pouvais regarder les épisodes séparément, pas dans l'ordre, ça changeait pas grand-chose, même s'il y avait un fil conducteur. Et j'espère que pour la saison 2, ils vont faire vraiment quelque chose de plus... Enfin, de plus conducteur, enfin, de plus scénarisé. Quoi. Alors moi, j'ai regardé le teaser et j'annonce tout de suite qu'on va avoir des Jedi dans la saison 2. Ça, c'est sûr. Ça, je c'est pense qu'il y aura Ahsoka. C'est vendu comme ça. Ahsoka Tano. Voilà. Je pense qu'il y aura Ahsoka Tano. Exact. Parce que normalement, il y a une actrice qui a été annoncée dans ce rôle-là, précisément. Enfin, qu'elle allait jouer Ahsoka. Après, est-ce que c'est celle qu'on voit dans le trailer ? J'en ai aucune idée. Mais il y a de fortes chances qu'on la voit. Même voit si ça trailer, se passe... Quelqu'un. Ça se passe après les épisodes 6, après l'épisode 6 Mandalorian. Donc je pense qu'elle doit être assez vieille en fait, la petite Ahsoka Tano. Oui, parce que pas du tout quel âge déjà dans Rebelle, elle était assez âgée. Elle commençait à avoir de la bouteille. Hein, et je pense que là, effectivement, t'as pas tort, elle doit être assez âgée. Je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas trop quel rôle ils vont lui trouver. Effectivement, on reste un peu dubitatif vis-à-vis de ça. Bon, en tout cas, il y aura des Jedi, il y aura de la bataille, et puis il y aura toujours autant de scénarios que dans la première saison, je pense, parce que c'était très riche. Hein, je ne sais pas si vous avez tous regardé. Carrément. Et dans la chronologie de Star Wars, c'est après le... C'est après le 6, on va dire. Ouais, c'est après le 6. Ouais. Voilà, exactement. Mais moi, je trouvais que la saison 1, elle était vraiment... vraiment, je ne vais pas débattre non plus trop longtemps dessus, mais je la trouvais un peu dépareillée. Je trouvais que c'était vraiment épisodique. C'était pas comme tu te poses. Il n'y avait pas de lien. Enfin, si. Enfin, il y avait un petit. Enfin, ouais, c'était minime, quoi. Moi, je trouve que. Mais quand tu regardes par exemple un The Witcher, tu vois que l'histoire avance, alors que Mandalorian, ça traînait un peu sur pattes, quoi. Donc, j'espère que la saison 2 sera d'autant plus meilleure. Je vais poser une question. C'est pas une série sur les Jedi, ça ? Alors, non. Quelqu'un non. peut lui répondre ? N'hésitez pas. Alors non, c'est pas une série sur les Jedi, ça se concentre plus sur un genre de chasseur de primes, quelque sorte, et justement qui croise un bébé, pas Jedi, mais un bébé avec des pouvoirs, et donc je pense que dans la saison 2, on va plus voir son éducation, donc ça se concentre pas du tout sur les Jedi,
C'est une autre facette. Moi, c'est un peu comme Yann Solo, Star Wars Yann Solo, si tu vois à peu près, si tu l'as déjà oui. vu. Oui, oui, je l'ai vu. C'est une autre facette de Star Wars que moi, j'apprécie particulièrement. De fait de ne pas suivre des Jedi, etc., etc., et plus voir des gens vivre dans un univers où il y a des Jedi, tu vois. D'accord. Je vérifie parce qu'on a. Tout le monde peut me confirmer qu'on a toujours le retour vidéo parce que j'ai une panne sur le PC. Oui. Là, excusez-moi. C'est bon. Ouais, ouais. Ok, tout va bien. Désolé, on a un problème de réseau nous sur le deuxième PC, donc il peut pas vous corriger. Oui, c'est bon, ça revient. Excusez-moi. Et les aléas du direct. Et du coup, quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce tour de table toujours aussi classique, hein, ça n'a pas changé. Mais qu'est-ce que vous avez à nous partager encore cette semaine, messieurs? Une autre nouvelle, quelque chose qui vous a titillé? Ici, à Nagano. Et tout va bien. Non, non, dire. Non pas ça. Non. En plus. Ça va, c'est bon. Ça va. Oh là là, il est adorable. Donc du coup, on va passer, à la suite du débat, et on va tout de suite y aller pour le débat l'Apex. Principal. Non, par contre, non. Alors on est désolé parce qu'en fait j'étais obligé d'improviser beaucoup de choses puisqu'on a un logiciel qui a déconné, donc du coup voilà, préfère être honnête et on balance le jingle tout de suite. Sauf que j'ai pas le bon truc. Voilà. Tout de suite, maintenant. Dans 2 secondes. Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne lisez pas, Dominique. Ne lisez pas. Ne lisez pas. On passe tout de suite. Alors, messieurs, maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, la simulation, c'est toujours aussi chiant, en gros. Ah oui. Ah oui. Ça dépend. Moi, je trouve pas. Moi non plus, je trouve pas. Ok. Alors, développer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, la simulation m'emmerde un brin en ce moment. Mais allez-y, développez, messieurs, je vous en prie. Moi, je vais développer mon point de vue. Oh, franchement, le peu de simulation que j'ai fait, j'ai couru après la bouffe et j'ai couru pour pas mourir. Ça, c'est pas une simulation, c'est une survie. C'est pareil. C'est pareil, c'est vie ma vie de tous les jours. C'est clochard. Non, mais par exemple, tu as la simulation pour les jeux de voiture, les jeux d'avion. Il n'y a pas que ça. Et moi, j'ai fait beaucoup de simulations. Vas-y, Marc, je t'en prie. J'ai fait beaucoup de simulations d'avions, hélicoptères et aussi camions. Et moi, je suis fan d'avions. Tu vois, si j'aurais pu, je serais pilote. Mais. En fait, on retrouve assez ce réalisme, tu vois, de pouvoir piloter de chez soi. D'accord. Et d'être dans son siège confortablement, et puis de pouvoir vivre sans sa passion, tu vois, sans rêve. Ouais, mais je sais pas, si c'est pas de la réalité virtuelle, comment tu fais pour te sentir dans ton avion, toi, dans ton canapé? Moi, je peux pas. Tu vois, Flight Simulator, si c'est pour mettre exactement le même temps de partir de Paris et d'aller à New York, moi, je préfère y aller, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. voilà. Ok, alors ça, c'est fait. Merci, Didier, de cet avis très tranché sur ce sujet, qui ouvre complètement la discussion. Merci, c'est parfait. Non. Attendez. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Mais c'est pour ça que je dis ça. Je suis dans l'ironie, Gambit. Vas-y. Ok, Didier. Le principe d'une simulation, justement, c'est dans le mot, c'est une simu. Donc, ça ne peut pas forcément recréer tous les paramètres, tous les aléas de la vie de tous les jours. Ce qui est bien dans une simulation, c'est utilisé dans pas mal de professions, notamment militaires, c'est que ça permet en fait de s'entraîner à des situations bien particulières ou du moins de recréer proche du réel, le plus proche du réel, une situation particulière. Ce qui est bien avec la simulation, c'est que justement tu peux être préparé après à la vie de tous les jours à cette situation-là bien précise, comment tu peux réagir. Donc, je prends le cas, par exemple, pour rebondir, par exemple, de Arma. Moi, j'ai énormément joué à Arma. Le moteur de Arma est utilisé par différentes armées occidentaux,
C'est ce que tu nous avais dit, effectivement. Dans des entraînements. Ouais, voilà. Ouais, là, je suis d'accord avec toi, parce que c'est formateur, c'est répéter ses gammes en permanence. C'est sûr que tu peux pas aller attaquer du terrorisme en permanence, je comprends qu'il simule. Mais en fait, c'est surtout pour retrouver une sensation, tu vois. Le peu de simulations que j'ai fait, qui sont arrivées à me traîner avec Mordic, Lolo et tout ça, quoi. C'est la vie tous les jours, quoi. Ça dépend des simus que t'as fait, c'est sûr, si tu te bases, je pense que tu parles de DayZ, hein, plus précisément, au niveau de la bouffe ou des autres jeux. Ouais, que c'est ce soit Forêt, DayZ, tous ces... Après, tu vois, c'est sûr que si tu traînes un cadavre qui doit boire un litre d'eau toutes les heures et tout, ça aussi, j'en ai dit, ça fait partie en fait un peu, c'est le mauvais bail, le mauvais délire des jeux de survie en général. C'est parce que pour donner un peu plus de peps au jeu, ils sont obligés de te forcer à chercher de la nourriture, etc. etc. Ah, mais ouais. Tu peux pas mettre le jeu de simulation tous dans le même cas, tu vois. J'ai essayé les jeux de voiture et tout, mais c'est ce côté immersif où j'arrive pas à rentrer dedans. C'est un truc de fou. J'arrive pas à penser en tout le matos, tu vois. Voilà, genre, après, ça coûte cher, hein. Enfin, si voilà. Tu veux vraiment te mettre dans un jeu stimu, genre de bagnole, par exemple. Ah, c'est sûr qu'on retrouve exigeant. Rapidement ses limites. Ouais, enfin, play sheet, c'est ça. Les limites de la simu. Tout à fait. On se sent vite dans une espèce d'impasse par rapport... voilà, exactement, Tom. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Non, mais c'est même... C'est même au niveau intérêt, moi. T'arrives pas à trouver ton intérêt dans ces jeux-là, toi ? Non, les crafts et tout ça, ça me fait chier. Je te dis, courir après la bouffe, ça... Oh là là, c'est un calvaire. J'ai l'impression de vivre ma vie de tous les jours, tu sais. Et comme dans un jeu de course, je stimule. Heureusement, au boulot, je ne vais pas bosser. Et encore, il manquerait plus que je fasse RP GTA, tu vois. Il manquerait plus que d'aller bosser, tu vois. T'as ta vie de tous les jours. Allez, va galérer, gros. Après, bon, on pilote pas tous un avion tous les jours. Hein. Voilà, merci Tom, c'est gentil de l'avoir précisé. Voilà, tout à fait, je pense que c'est important à préciser. Les simulations sont quand même faites pour te donner l'opportunité de faire quelque chose que tu ne feras pas dans la vie de tous les jours. C'est aussi ça la force du truc, tu vois. Donc, je pense que si tu rentres pas dedans, c'est aussi peut-être une question de matériel. Et puis après, c'est peut-être pas ce que tu recherches dans un jeu aussi, tu vois. Après, je pense qu'il ne faut pas confondre, comme tu disais, Gambil, les jeux de survie et les jeux de simulation. Quoi. Ouais. Arma 3, tu prends Fly Simulator, Euro Truck, Farming, voilà, ça, c'est des jeux de simu. Quoi. Après, si tu prends des jeux voilà, comme. Ouais, Forza, je ne sais pas trop. Je ne connais pas. Non, pas Forza Mode, F1, tout ça, non ? Je ne sais pas plus. Les jeux de simulation en général, quand tu regardes, ça a toujours extrêmement bien marché. Genre quand tu vois Farming Simulator, genre ça a été dans les tops des ventes. Enfin, c'est impressionnant. Parce que je pense que justement pour toi, tu vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de jeu. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt dans ce genre de jeu. C'est une genre d'estime de soi, tu vois. Genre j'ai fait ça, j'ai fait mon petit truc. En fait, tu te donnes des objectifs toi-même, en fait. Genre, tu cherches pas... C'est pas comme dans un jeu, en général, où t'as un objectif bien prédit, faut aller là et tout. Là, c'est vraiment, tu gères ton truc, quoi. Donc, d'un côté, c'est pas mal. T'as réussi à faire pousser de la luzerne, gros. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord, hein. Excuse-moi. Tu prends un jeu comme Star Citizen, qui est une simulation de vie dans l'espace, tu n'as aucun objectif dans le jeu, en fait. C'est à toi. Ils ont créé ce jeu... Le jeu vit très bien sans toi, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ton personnage va vivre sa propre histoire et c'est toi qui décideras de ce qui est, de ce qu'il va faire, en fait. Moi, des fois, je prends un vaisseau, je me balade sur une lune, je peux faire ça des heures. Faire ça des heures à regarder. Bon, s'il buguait pas, hein, bien sûr, dans un monde idyllique. Ouais, dans un monde idéal. Mais, voilà. Mais attends, tu vas regarder maintenant. Mais c'est juste... ouais. Vas-y. Non, vas-y, je voulais dire que Clarius nous avait demandé si on a testé la VR et ça peut peut-être ouvrir, tu vois. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Quelqu'un a testé le jeu en VR ou pas du tout ? Lolo, moi, j'ai fait une fois la VR. C'était en Suisse pour. Non, mais c'était très spécifique. Hein. C'était en Suisse et c'était pour l'automobile. Je sais plus ce que c'est en Suisse. Un truc de l'automobile. Le salon de l'auto. Voilà. Salon de l'auto à Genève. Il y avait un stand où il y avait de la VR
Et ça m'avait donné littéralement la gerbe parce que c'était de la VR, mais en même temps, on avait des fauteuils qui bougeaient et donc enfin, mon café, il allait ressortir, quoi. J'ai pas testé la VR dans le salon pour en parler. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un casque à la maison. Avec, c'est vrai que Lolo, il peut nous tester la VR, effectivement. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour préciser que c'est le seul qui, dans notre équipe de base, est équipé de VR. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'après, je comprends que ça soit assez compliqué de se lancer. Moi, honnêtement, c'est pas le mien parce que j'ai pas pu l'acheter. C'est mon petit frère qui s'est économisé, qui est vraiment fan, qui l'a pris. Parce que c'est quand même c'est un investissement. Quand il a payé, c'était 600 euros. Ouais, je te crois. Ouais, donc, c'est très cher. Mais à mon avis, je pense que la VR peut apporter un peu plus d'immersion, tu vois. Dans carrément. Parce que lui, c'est un Oculus qu'il a. Et franchement, c'est super. Le rendu. Rift. L'Oculus Rift a l'air vraiment pas mal, effectivement. C'est vraiment impressionnant. Là. Franchement, tu es dans le jeu. Ouais. Après, ton collègue l'avait payé genre 600 euros. Mais c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus accessible. Hein, donc, c'est pas déconnant de dire que... C'est pas déconnant de dire que dans quelques années, ça sera... Ça va arriver, ça va se démocratiser. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut une carte graphique qui va bien et le VR. Ouais. C'est un investissement. Bah oui, bon, ma carte graphique, elle la supporte. Je l'ai payé juste 200 euros. Quand tu regardes, c'est comme tous les bons en avant technologiques, quoi. Genre les premiers. Mon PC complet en tout, il fait 800 euros. C'est pas une bête de guerre, quoi. Non, mais je sais, j'ai le même. Mais la carte, elle va bien et le casque, il va bien, quoi. Parce que si t'achètes et la carte et le casque, t'as un petit billet à cracher, quoi. C'est ça que j'allais dire. C'est quand même un sacré investissement. Ouais, pour le moment, faut attendre un peu. Marc, ouais, t'as des gens qui utilisent la VR pour soigner leur phobie, tu vois. Et ça, c'est assez pratique, je trouve. Ça va t'ouvrir plein de portes, la VR, c'est obligé. Ça va t'ouvrir plein de portes. Plein de portes. On n'imagine même pas à l'heure actuelle ce que ça peut t'ouvrir. Même. D'ailleurs, regarde la VR. Il y a Clarius dans le chat qui dit Oculus Quest 350 euros. Voilà, ça devient de moins en moins cher. Hein. C'est comme une démocratie. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes les écrans 4K, genre à l'époque, les écrans 4K, c'était genre 500 balles. Enfin, c'était impressionnant. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, avec toi. C'est dans les 200-300 euros, quoi. Genre, enfin, Ouais, il y avait un prix vraiment exorbitant par rapport à cette technologie. Et je pense que la VR a eu le même problème. Cette technologie était beaucoup trop chère et beaucoup trop en avance. Là, elle va se cantonner à quelque chose de plus viable, et à mon avis, ça va donner quelque chose, effectivement, je pense. C'est comme d'habitude, hein. C'est comme les premiers PC, ils coûtaient une blinde, maintenant, un PC, t'en as pour pas cher, et c'est la loi du marché qui fait ça se démocratise. Mais c'est vrai que les PC, par exemple, c'est un très bon exemple que tu donnes, Didier, parce que il y a même quoi, il y a 15 ans de ça, un PC, c'était vraiment un bras. Mais vraiment, quoi. Si tu voulais jouer avec ton PC au début des jeux, il te fallait une belle bête hein. De concours, quoi. Ouais, tout à fait, Au moins, la carte graphique et le processeur, il fallait déjà être au top. C'est encore le cas maintenant, voire peut-être un petit peu plus exigeant selon les jeux. De base, ça s'est tellement démocratisé qu'on est sur une logique de prix qui descend, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense qu'à l'époque, maintenant, les jeux sont quand même, je trouve, beaucoup plus optimisés par rapport aux composants qu'on a actuellement. Ils utilisent les technologies de nos composants. Et je sais pas du tout, c'est une petite parenthèse, mais pour dire par rapport, il y a eu les specs de Cyberpunk 2070 qui sont sortis il y a pas longtemps, la config recommandée, et ils recommandaient, je crois, une GTX 1060 pour faire tourner leur jeu en qualité supérieure, en high, 60 FPS. Donc je pense que en fait il y a des technologies comme le DCL ou je sais plus que les RTX utilisent là, les 3000. Ils avaient dit qu'il y a même des intelligences artificielles qui vont pouvoir doubler nos FPS. Enfin, c'est impressionnant. Bientôt tu vas pouvoir jouer avec un grille-pain, jouer à des jeux que tu pouvais pas il y a 10 ans. Enfin, c'est impressionnant comment la technologie
Voilà. Vas-y, non, non, pardon, pardon, je voulais pas te couper, excuse-moi. Non, non, pardon, c'est juste, je voulais juste rajouter une chose, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je pense que l'écart entre le jeu et les jeux qui sortent et le matériel qui sort est quand même un vrai problème pour le joueur qui n'est pas équipé, qui n'est pas monté Shimano. Voilà. Je pense que ça peut rester un vrai problème, tu vois, qui n'a pas vraiment une bête de concours. Ça reste quand même un problème. Tu prends Star Citizen, il est hyper exigeant ce jeu. Ouais, mais on va pas se le cacher, il est codé avec le cul, quoi, Star Citizen. Oui, quoi. D'accord. Oui, non, mais voilà, d'accord, c'est vrai, il a raison. On peut pas lui donner tort. Voilà, je sais pas. C'est une observation très fine du sieur Gambilf. Et bah, littéralement, toi, t'es bon, Gambilf. Je vais revenir sur le Battle Royale, parce que si t'as pas la fibre, une bête de concours, tu pars lésé. C'est du pay-per-view, c'est du pay-per-gain, en fait. Du pépère. Ah oui, d'accord. Tu payes pour gagner. Ouais. J'avais vu ça. Tu sais, c'est un effet de mode aussi, tu vois, les RTX et tout, d'avoir tout le temps la meilleure config et tout. Alors qu'en vrai, la plupart des gens, quand ils font des Battle Royale, etc., la plupart, c'est des. Enfin, t'es pas bon jeu. Tu vois, des fois, c'est du overkill, quoi. T'achètes une méga carte graphique. Sauf que finalement, si t'es mauvais un jeu, tu restes mauvais un jeu. Tu gagneras du level si vraiment t'es fort au jeu, t'es déjà entraîné dessus. À niveau équivalent, tu vas te faire lever par un mec qui a un meilleur matos que toi, une meilleure co. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est indéniable. Ça, c'est obligé, donc c'est quand même au mieux tu es monté, au plus t'as de résultats. Au plus t'as de résultats, ouais, je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai, il a raison. Mais moi je pense que c'est un vrai problème pour certains, par exemple, tu vois, tu prends des joueurs qui aimeraient pouvoir streamer aussi en même temps et qui se retrouvent avec des bestioles qui sont très en dessous de la capacité possible pour streamer et faire le jeu. Et pour le coup, en fait, si jamais tu veux faire du stream, tu vas être obligé de prendre une bête de concours. Ah bah c'est sûr. Hein, voilà, c'est juste ça. C'est pas une réelle critique, mais je pense que ça reste quand même un problème de... Par rapport au prix et tout ça. Vas-y Tom, excuse-moi, t'allais dire un truc. Mais après, je pense que c'est comme tout ce qui évolue. Voilà, c'est un coup. Hein. Tu regardes au début, t'avais un iPhone 3. Quand le 4S est sorti, bah, il fallait mettre la main à la poche, quoi. Si tu veux jouer au meilleur jeu dans les meilleures conditions, bah, forcément... De toute façon, t'es obligé de mettre la main à la poche. Tu évolues ensemble, il faut y aller, et puis c'est tout. Ouais, t'as pas le choix, ouais, effectivement. Mais pour la simulation, c'est quelque chose qui est assez exigeant. Ou alors tu le streames pas, voilà. Tout à fait, voilà. Sinon, c'est la même chose. Ou t'achètes un deuxième PC comme nous et tu te fais pucher. Voilà, c'est aussi une bonne solution. Mais après, comme je vous ai dit, y a un truc qu'il faudra surveiller, c'est les intelligences artificielles. D'ici quelques années, je suis persuadé que ça sera vachement évolué et ça permettra aux gens qui ont des configs, des ordinateurs un peu bas de gamme, à un niveau équivalent à quelque chose de très bien. C'est déjà en développement et les prochaines RTX, il y en a, elles ont ce truc-là. Ça te permet même de booster ton écran, genre de passer ton écran de 75 Hz à 144 Hz. Enfin, il y a des trucs... franchement, ça va se démocratiser au fur et à mesure des années. Ouais. Après, la réalité virtuelle, peut-être ça va plus m'amener sur ces jeux de simulation en question, parce que j'ai du mal à me jeter dedans. Quoi. Et Tom, t'allais dire quelque chose par rapport à ça? Non, mais je disais, ça commence à se démocratiser. Regarde, quand la technologie RTX est sortie chez Nvidia, ils sortaient leur carte à 1200 balles pour une 2080 Ti. Et tu regardes aujourd'hui l'équivalent de, par exemple, bon, la 3080 qui est sortie là, elle est à 700 balles, je crois, c'est ça ? 600, voilà. 600. Et pour des performances supérieures, voilà, tu vois, c'est la technologie, la maîtrise, donc du coup, bah, forcément, ils passent moins de temps à développer ça, et du coup, les prix, petit à petit, vont se démocratiser aussi, c'est normal. Je pense, effectivement. Démocratiser. Attention. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la plus basse des cartes graphiques est la meilleure d'il y a 4 ans, quoi. Ah bah oui, normal. C'est ouais, ça. Tout à fait. Bah oui, c'est logique. Oui, mais ça, c'est l'évolution logique du jeu L'évolution logique, si tu reviens largement en arrière, c'était pas le cas avant. Qu'aujourd'hui, la preuve, regarde, il te remplace une carte graphique qui date de 2 ans.
par une carte graphique qui explose tout, quoi. Oui, et mais... qui coûte moins cher. Oui, c'est pas c'est normal. Effectivement, c'est normal parce que la technologie, elle est déjà là. Voilà, c'est parce que je sens qu'ils ont appréhendé le virage 4K. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je suis d'accord avec et ça. Et si tu as là, en carte graphique, tu as quitté AMD et GeForce. Nvidia. Il suffit AMD, qu'un Nvidia. Ouais. Voilà, suffit qu'il y en ait 2-3 qui se tirent la bourre. Et tu verras que ça se démocratise vachement. Mais il en faut 2-3 qui se tirent la bourre. Mais c'est déjà le cas. De toute façon, ils sont déjà deux à se tirer des boulets ouverts à travers les pattes. Et à chaque fois, ils essaient de se dépasser les uns les autres. Et même au niveau des processeurs, c'est pas tout à fait la même guerre. Mais on a cette guerre AMD contre Intel. Et en fait, AMD est sur tous les fronts. En fait, quoi. C'est comme style les téléphones portables. Tu sais, les téléphones portables. Ouais. Tu prends Oppo en ce moment là. Oppo, c'est la cinquième marque mondiale, la deuxième marque chinoise. T'as une bête de course pour 260€ en magasin. Alors que Samsung, le même, il fait 500 ou 600€. Ouais, voire même plus, hein, les nouveaux qui sortent là. Il y a les Z2. Voilà. C'est sûr, c'est facile, c'est 2000€. Et Oppo, mais sinon, t'attends 2-3 mois pour les prix baissent, tu vois. Mais si tu prends les Oppo là, actuellement, là, mais c'est une bête de course pas cher. Il y a Oppo, il y a une autre marque aussi. Huawei aussi, Huawei c'est pas mal aussi. Huawei non, parce qu'ils ont, enfin là où ça va perdre, c'est que le Huawei ils ont plus accès à Android. À Google ouais. Tu vois, j'ai un Huawei, j'ai Android, hein, gros. Ça donc, peut créer un vrai problème, je suis d'accord. Huawei c'est terminé, il y a plus rien. Moi j'ai un Huawei, j'ai Android dessus. Huawei mais parce que parce que tu l'as eu avant. Ouais. Parce que tu n'as pas fait l'hommage, t'inquiète, quand tu feras la mise à jour. T'inquiète, tu vas t'emmerder comme tout le monde, ne te fais pas de soucis, ça va arriver, c'est prévu. t'en fais pas, ils vont pas tout oublier. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est un problème entre les Chinois et nous. Mais si tu veux, tant que les Chinois ils se tireront la bourre sur les produits à vouloir faire moins cher, et ben ils le feront. Et nous, nous, ça nous arrangera au niveau informatique parce qu'on va gratter dessus. Ça dépend de qui on commande, parce qu'on peut aussi se retrouver avec une carte qui n'a pas la bonne alimentation, hein, n'est-ce pas Didier? Alors du coup, tu te rappelles de cette expérience? Ouais, mais ça c'est des plans frelateux de parisiens, ça. Ah, c'est pour ma gueule, ça. Ah, ça c'est pour ma poire. C'est les mecs qui te font voir. Mais vas-y, t'inquiète. Mais s'il y a une prise, elle est où ta prise? Fais des photos, putain. Bon, c'est privé joke, mais en fait, on avait acheté une carte pour Didier, pour son PC à une époque, par un truc chinois. Et en fait, il manquait l'alimentation pour que la carte soit vraiment efficace. Donc, du coup, en fait, il n'a jamais pu s'en servir. Et j'ai passé une journée à la monter, la démonter, la remonter, la démonter, la remonter, la démonter, la démonter, la remonter. Prendre des photos, envoyer ça là-haut, et il est où le problème? Et moi, j'étais là en train de lui dire mon grand, il va falloir que tu trouves cette prise. Il y a forcément une prise. Sauf que la prise n'était pas là. Donc forcément, ça a été compliqué. Voilà, c'est elle a sauté l'étape en usine, en fait. Donc, moi, c'était assez rigolo parce qu'on s'est bien galéré pour pas grand-chose. Et au final, le pauvre Didier était obligé de retourner sur son chipset. Ouais, c'était une expérience assez marrante. Voilà, désolé, Didier. Et tu regardes sur Internet, il y a marqué carte auto-alimentée et tout. Tiens, mon cul, ouais. Putain, carnage, toujours là. Il faut savoir une petite chose, c'est que les cartes auto-alimentées qui sont au-dessus de la 1050 ne sont jamais auto-alimentées, elles ont toujours besoin d'une alimentation, tout le temps. Mais c'est là, c'était une 1050, normalement, ça passait. Non, mais justement, non, à partir de la 1050, tu vois. Ben moi, j'ai une 1050 Ti auto-alimentée, là. Oui, mais il y en a quelques-unes, mais elles sont moins performantes, tu auras plus de consommation, c'est moins optimisé, tu vois. En général, elles sont toutes auto-alimentées pour optimiser ton aliment. C'est ça le truc. Si elles ne sont pas auto-alimentées, c'est qu'elles sont... Oui, Tom, vas-y, excuse-moi. Non, je voulais revenir sur... depuis tout à l'heure, on parle tu vois, des performances et tout pour les jeux de simul. Parce que Didier, tu nous disais que tu as plus de mal justement avec un... Tu vois ce que je veux dire par rapport au graphisme, tout ça, à te mettre dedans. C'est pas tellement au graphisme, hein, c'est... j'arrive pas à trouver une simul qui m'intéresse vraiment, quoi, auquel je m'accroche... Parce que mis à part, voilà, c'est il n'y a pas de but dans le jeu, tu vois, c'est ça qui me gêne. Justement, ouais. Alors, ouais, mais c'est ce qu'il disait Gambilf tout à l'heure, en fait. Voilà, c'est
c'est de décider moi-même de ce que je dois faire pour ça, ça me gonfle. Ça, c'est le propre d'une simulation, Didier. Imagine-toi, voilà. Ta vie, toi. Je pense que c'est ce qu'allait dire Tom. Du imagine-toi, coup, on voulait le couper un petit peu, mais je pense qu'il allait finir là-dessus, effectivement. Est-ce que tu as un but prédéfini à ta naissance? Non, on te dit, tiens, la vie, c'est ça, et fais ce que tu en veux. Eh bien, un jeu de simulation, c'est ça. Et dans le jeu, tu vas pouvoir faire ça, et fais-en ce que tu veux. Non, non mais le... dans ma vie, il a raison, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Dans moi, ma vie, je me fais pas chier. Dans un jeu, je me fais chier. Eh ben, c'est pas normal. C'est que ça te donne le choix, tu vois. C'est parce que c'est pas ça. Ce que tu cherches, en fait, je pense, surtout. C'est, ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être le trop de possibilités qui tue mes possibilités, tu vois ce que peut-être, je veux dire. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Et Tom, t'allais rajouter un truc, je pense que du coup, tout le monde s'est emballé, mais vas-y. Non. C'était juste pour dire ça, c'est qu'il faut quand même admettre que sur certains jeux de simulation, t'as des choses qui sont prises en compte qui sont folles, en fait. Et je trouve qu'ils bossent dessus de plus en plus, tu vois, surtout les jeux qui sont encore en dev, tout ça, t'as en early access, tout ça. Les mecs rajoutent des composantes. Et quand, par exemple, tu meurs, tu fais putain, mais je suis mort pourquoi? Ah putain, ouais, j'avais pas pensé à ça. Et tu vois, ça te fait à chaque fois, ça te fait débloquer des trucs dans le cerveau. C'est marrant en fait. Mais c'est vrai que c'est spécifique à certaines personnes. Quoi. Ouais, c'est... J'ai juste envie d'évoquer un jeu qui va être d'accord, c'est obligé. C'est un jeu où ils ont trouvé le savant mélange justement entre la simulation et l'arcade, on va dire. Ah, c'est, alors, Red Dead Redemption 2. Ah, ok. Alors on va c'est un jeu quand même plutôt arcade, mais où ils sont allés chercher des détails de la nature, de la vie des gens du western de l'époque, où ils sont allés, mais dans des détails de fou. Et c'est de la simu, c'est vraiment de la simu. Ouais, je suis d'accord. Et ça donne unique, un cachet au jeu. Ouais. Mais oui, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu, il a pas trop bien marché comparé à GTA V, tu vois. Comparé à GTA V, genre le jeu, il est passé... Ouais. Parce que justement, il était vendu comme genre un genre de GTA V, sauf que les gens, quand ils se sont rendus compte que c'était plus un jeu de simulation... Vous nous arnaquez, Rockstar, ils se sont dit. Non, mais voilà, ils ont trouvé le truc comme toi, assez emmerdant, finalement. Non, mais en même temps, ils n'ont pas développé comme GTA V. Bon, bah Didier, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je disais, quand ils l'ont sorti, le problème, c'est que le mode solo était super bien à Red Dead. Mais le mode multi, il était éclaté. C'est ça, c'est que le mode multi, ils l'ont pas encore... Il était pourri, leur mode multi, quand ils l'ont sorti, le jeu. Après, il s'est amélioré, mais on l'a pas bouffé en mode multijoueur. Tu vois ce que c'est vrai, on était très déçus par le mode multi quand il est sorti, je m'en rappelle encore. Même quand on était en coop, on l'a bouffé quoi, allez, on l'a pas bouffé un mois, le jeu. Ouais, il nous a un peu dégoûté à force, ouais. Voilà, moi j'ai vite tourné en rond dessus, j'ai fait mes deux trucs que j'avais envie de faire, voilà, allez c'est fini. Et j'aimerais demander l'avis d'ailleurs, parce qu'on l'a pas trop entendu, Nerox, qu'est-ce que t'en penses de Red Dead, de ce qu'on vient de dire? Ouf, ouais, tout ce qui est simulation, c'est franchement... C'est pas ton truc délire. J'ai testé Road Truck Simulator, j'ai testé Farming Simulator, franchement... Ça t'a pas... Ça me hype au début, parce que le fait d'essayer... Et après avoir découvert le jeu, bon, je me dis, bon... On fait quoi, c'est maintenant tout. C'est tout. Pourtant, j'essaye. Hein. J'essaie de rester plus longtemps. Et au bout d'un moment, c'est pas ta tasse de thé, en fait. C'est pas ton style de jeu. D'accord. Ok, non, mais c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi tu t'exprimes pas trop sur le débat. Parce que le débat te touche moyennement, puisque, en fait, c'est pas ton style. Il a dit tout haut ce que je pensais tout bas. Ah, toi, tu l'as vraiment dit tout haut, on a bien entendu. Ah non, ouais. En même temps, c'est le but d'un débat. Quoi, tu es beau. Voilà. Et toi aussi. Bon, alors maintenant que tout le monde s'est taillé des pipes, on va passer à la suite. Oh là là. Je déconne. Du coup, on va tout de suite faire une mini pause de 4 minutes en vous présentant notre ami Gambilf. Parce que, en gros, on va continuer en beauté et sans autre fioriture, on va commencer à lui poser quelques questions. On va le mettre un peu sur la sellette. Donc, avant toute chose, on va vous permettre d'apprendre à le connaître. Donc, on vous laisse pendant 4 minutes avec cette petite presse. A tout de suite. Ah,
jour. Oh, un véritable chef-d'œuvre. C'est en grande partie pour ça que le jeu est passé complètement inaperçu. Pourtant, il avait tout pour plaire. C'est un jeu de tir, l'histoire est prenante. Les voix françaises sont aux petits oignons. Mais on vient de sauver la vie. Ce gars s'est gonflé, capitaine. Tu sais que c'est à un roi que tu t'adresses. Fuck. Pour revenir à l'histoire du jeu, nos héros pensent qu'ils vont tomber sur une ville complètement déserte. Ok, j'en suis pas très fier. Sauf qu'ils vont très vite se rendre compte qu'il y a encore énormément de survivants. Heureux. Voilà, après cette petite bande-annonce, je pense qu'on a déjà bien appris à te découvrir. Je trouve ça très cool. Je pense que ceux qui ne te connaissaient pas, on a déjà un bon aperçu. Alors, on va continuer à passer des vidéos de toi, d'ailleurs, en parallèle. Et puis, on va commencer notre petite interview en direct. Alors, Gambilf, tu es depuis combien de temps sur YouTube, sur Twitch ? Explique-nous un peu qui tu es. Alors, bonjour, moi je m'appelle Gambilf, je suis célibataire, près de la loi. Non, alors, je suis sur YouTube depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, depuis même, je pourrais même dire depuis la création de YouTube, parce qu'à l'époque je regardais des vidéos encore sur Dailymotion, donc ça fait une partie de moi. Ma chaîne YouTube, précisément, elle est active depuis un an maintenant, ça va faire un an. Je poste des vidéos, j'essaie de poster des vidéos une fois par mois.
voire un peu plus, en fonction de mes disponibilités. Voilà. On est en train de voir en direct Mountain Blade 2, Bannerlord, The Real Multiplayer, une de tes vidéos. Voilà, je précise. Je ne commande pas de la bien. Commenter, hein, t'inquiète pas, hein, pas de souci. Ça fait des vues, ça fait des vues, faites. Donc tu aimes quoi comme style de jeu? On a cru comprendre que tu aimais bien la simulation. Déjà, dans le débat qu'on a eu ce soir, je pense, on a bien senti que tu aimais bien la simulation. Vas-y, excuse-moi. Alors oui, j'aime bien la simulation, mais je suis un multigamer. J'aime vraiment tout genre de jeu. Je suis pas enfermé. Peut-être les puzzle games où vraiment je déteste ça. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment de jeu fan à part simulation et stratégie. Voilà. Et c'est quoi ce que tu streams? Tu streams un peu sur Twitch? Malheureusement, ma connexion internet ne me permet pas. D'accord, tu ne stream pas, d'accord. Et quel genre de vidéo tu proposes? Plutôt des explications, des reviews, plutôt des montages perso? Alors, au niveau des vidéos, juste petite parenthèse, oui, je stream, mais vraiment une ou deux fois par mois, quand je peux. Après, pour revenir par rapport aux vidéos... donc je présente en fait les vidéos les jeux vidéo que j'apprécie le plus. Donc je parle dessus, j'explique les points forts, les points faibles du jeu, et j'essaie de faire ça un peu dynamique. Donc c'est des vidéos très courtes, entre 6 et 5 minutes. Vraiment je bombarde. Et sinon je fais du montage, où en gros je ne fais pas ma voix. C'est juste du montage vidéo. Et là c'est sur des jeux un peu plus récents, où je n'ai pas forcément de choses à dire. Vous voyez juste moi faire des conneries, troller, etc., etc. Je tiens à dire d'ailleurs que la dernière vidéo que tu as postée sur Fall Guy est juste exceptionnelle. Voilà, vraiment. Je vous encourage à aller la voir. Elle est exceptionnelle. Et moi, je suis tombé sur une autre vidéo d'ailleurs depuis que j'ai fait un petit peu le tour sur ta chaîne. La fameuse vidéo donc, sur Spec Ops que j'ai regardée, puisque j'ai monté avec ta brillance, qui est plutôt bien expliquée. Tu prends le temps de rentrer dans le détail et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il y en a plein qui font des reviews un peu en mode bouffez le jeu ou le bouffez pas. Et toi, tu es plutôt un petit peu en mode, alors là, ça se passe comme ça, vous voyez, hop, par étape. Et en fait, ça donne plus envie. Ouais. Voilà, je trouve. Après, j'ai aucune... Enfin, moi, j'aime bien... ce que j'ai trouvé le problème, en fait, des autres reviews de jeux vidéo, c'est des fois, la personne qui présente le jeu parle trop pour rien dire. Et moi, j'essaie de condenser tout ce qu'il y a à dire sur le jeu, de faire une genre de synthèse avec, en même temps, des mèmes, etc., pour vraiment dynamiser encore plus la chose, pour que, en fait, vous la mangez la vidéo en 5 minutes et que vous ressentez, j'ai acheté le jeu. C'est un peu ça l'objectif. Oui, ou pas. Mais en tout cas, on sait ce qu'on en pense. Voilà, exact. Mais tout à fait. Mais c'est très bien ce que tu dis. Et non, effectivement, ça vend bien le jeu en général. Alors après, si on aime le style ou pas. Est-ce que, messieurs, vous avez des questions pour notre invité Gambilf? Je vous laisse la parole. Gambilf, connais-tu le sens de la vie? Bien le 42. Parce que si tu pouvais nous le donner, ça nous arrangerait. Ah bah 42, ok, on va appliquer. 42. Bon bah super, alors. Bon bah c'est tout pour moi. Bon bah moi j'y vais. Salut. Bon bah bon live à vous. Hein. Allez, ciao les gars, merci, hein, c'est sympa d'être passé. Alors, c'est tout pour nous. Quelqu'un a une vraie question? Non, mais moi c'était pour troller, mais sinon, je voulais savoir un petit peu quels sont les jeux que tu kiffes en ce moment. Je crois que tu avais parlé de King Crusader, non? Crusader King 3, ouais. Voilà. C'est du jeu stratégie pure, en fait, tout simplement. Okay. C'est du jeu le Ponce, j'aime bien. Voilà, Stellaris. En fait, tous les jeux Paradox, le studio de développement Paradox, donc ceux qui ont fait les Cities Skylines. Très bon jeu d'ailleurs, hein. Faut le signaler, ouais. Hein. Très bon jeu. Ces genres de jeux-là, ces genres de jeux-là, c'est les jeux où je peux passer une après-midi largement dessus. Les Total War aussi, c'est vraiment, c'était mes premiers jeux quand les Total War. Donc c'est plus des jeux de l'enfance. Voilà, c'est à peu près tout. On passe des images d'ailleurs en ce moment de Crusader King pour essayer de donner
une visualité aux gens, une visibilité, une visualité, n'importe quoi. Le mec est bourré, arrêtez-le. Quelqu'un, une autre question pour notre invité, sinon Jean-Chan, vas-y. Juste savoir qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ces montages, c'est le fait de partager ce qui fait sur le jeu, c'est plus pour expliquer. Enfin, de base, c'est plus pour mes potes. Qui regardait les vidéos en fait que je faisais, c'était plus en fait ça partait d'un délire et je suis en fait allé dans la continuité de la chose, c'est-à-dire j'ai pas juste posté une vidéo random et basta, je voulais vraiment je me suis mis une fiche, je me suis dit bon ça faudrait que je fasse une vidéo dessus pour vraiment limite leur présenter tout ce que j'apprécie sur certains jeux. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ah tiens, il y a des petits montages à faire, j'ai vu que ça marchait bien, etc. Donc, je me suis mis à faire du montage sur des jeux comme Fall Guys, Mountain Blade, Jedi Fallen Order. En fait, ça s'est enchaîné, tout simplement. Mais à la base, c'est parti d'un délire avec des potes, quoi. D'accord, ça t'a mis le doigt dans la chaîne, quoi. C'est ça. Même j'ai eu peur que tu dises autre chose pendant 2 secondes. Ça y est, j'ai dit doigt de suite. Tu m'as fait flipper. Non, ça reste politiquement correct, les gars. j'ai cru qu'il manquait juste une voyelle à ce que tu. Mais grave, grave. C'est une honte, messieurs. Vrai, ouais. Ce comportement est inacceptable. C'est honteux. Et d'ailleurs, franchement, je suis estomaqué de ce que j'entends. Voilà. C'est franchement aberrant. Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. Bah oui, elle est tendue, Natacha. On l'a entendue, là, effectivement. Quelqu'un a une autre question pour notre invité. Si vous voulez, allez-y, c'est le moment. Moi, sinon, j'en ai 2-3 autres à lui poser, mais. Je préfère vous laisser la liberté de poser les vôtres. Moi j'en ai une, à la base ta démarche sur YouTube, c'est juste pour faire découvrir ton environnement. Ah ouais, alors par contre si tu veux les mêmes questions que Lolo, on est dans la merde gros. Non, on perd 25 spectateurs, c'est quoi ce bordel? Et comme ça, l'émission elle dure un peu plus longtemps. Mon dieu. J'ai une remarque pour Fall Guys. Ah, vas-y, Marc, on n'a pas entendu. Vas-y. Ouais, j'ai une remarque par rapport à Fall Guys. En fait, j'ai vu une mise à jour que apparemment ils ont patché, tu vois, les cheaters. Ils peuvent plus cheat. Donc normalement, il n'y a plus de cheat. Les vidéos YouTube, c'est aussi une... Je vais partir philosophiquement. Une capsule temporaire, tu vois. Tu as le droit. C'est-à-dire une capsule temporelle. Voilà. C'est au mois de septembre, qu'est-ce que je faisais? Tu vois, je me dis, je monte mes vidéos en me disant, plus tard, quand je serai un peu plus âgé, que je revienne dessus. Que je sois pas cringe dessus, quoi. Enfin, ouais, comme l'album photo qu'on regardait quand on était jeune. Je comprends ça. Ouais, je trouve ça. Ouais, c'est un sentimental. Ouais, mais en fait, ça fait une espèce d'empreinte dans le temps, c'est très sympa. Ouais, en tout cas, c'est comme l'album photo quand on était gamin, quand on regardait ça avec les parents, avec les photos en noir et blanc. Exactement. La démarche est pas idiote. Bah, la démarche est quand même intelligente, moi, je trouve. C'est très sympa de laisser une trace comme ça. C'est vraiment génial. En tout cas, tes montages, je tiens à le redire parce que vraiment, c'est exceptionnel. Allez sur sa chaîne, vous allez vous régaler. C'est vraiment génial. Voilà, du Fall Guy, du machin, vous allez vous fendre la gueule. Et alors, Gambif, moi, j'avais une petite question encore pour toi. Oui. Est-ce que... Quelle espèce de public tu cibles plutôt dans tes vidéos? Ah, franchement... Aucun. Aucun. Un peu plus âgé. Hein. Clairement, la chaîne, elle se dirige pas non plus pour les enfants. Surtout quand je parle des tests, etc. Mais c'est ce que j'allais dire en fait. C'est pour ça. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. C'est ce que j'allais dire en fait. Je trouve que tes vidéos sont plutôt adressées à un public plus mature parce qu'en fait, t'expliques plutôt bien, mais t'es très posé. Vas-y, excuse-moi. Après, je suis carrément plus nostalgique du YouTube qu'il y avait il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Donc, je m'adresse en fait à ce public-là précisément, à ceux qui
ont connu YouTube avant, YouTube où il y avait une bonne liberté d'expression, etc. etc. Et il y avait des choses, même si le montage, en fait, proposait quelque chose qui pourrait correspondre aux personnes qui sont sur YouTube depuis pas mal de temps, tout en renouvelant le concept, tout en étant un peu plus dans l'air du temps. Tu vois ce que je suis vraiment content que tu aies relevé, parce qu'en fait, c'est vraiment ma pensée. C'est-à-dire que c'est très perso, là, ce que je vais dire. Hein. C'est, moi, je pense que effectivement, YouTube avait plus à gagner avant, parce qu'on avait beaucoup plus de liberté dans le montage, beaucoup moins d'obligations dans les vues. Et par exemple, une chaîne comme la tienne ou la mienne, c'est, parce que nous, c'est une petite chaîne aussi qu'on a sur YouTube, ce n'est pas des chaînes qui sont amenées à faire énormément de vues de parce que maintenant, YouTube propose. Tu vois. Et je suis très nostalgique, effectivement, aussi de cette époque-là. Donc, je te recoupe complètement dans ta réponse. Je te remercie de l'avoir dit. Je t'ai amené à quelque part et en fait, t'y allais, donc c'est gentil. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gambilf? Est-ce que tu veux nous préciser un truc sur ta chaîne? On arrive en fin d'émission, donc du coup, on va pas tarder à dire au revoir à tout le monde. Mais... Donnez-moi de l'argent sur Tipeee. Est-ce que tu comptes faire des lives prochainement, peut-être? Je sais pas, tu vas annoncer quelque chose, une nouvelle vidéo qui va sortir, ou voilà. Que... Ouais, une nouvelle vidéo, ouais. Je suis en train de réfléchir sur une vidéo sur des jeux hentai. Voilà. Ah. Zeng, ça fait longtemps que je voulais ça fait depuis longtemps que je voulais la sortir parce que j'ai un ami qui a sorti une vidéo sur des jeux hentai sur Steam qui a fait énormément de vues, etc. etc. Ah, mais d'accord. En une vidéo, plus de vues que ma chaîne entière. Et je me suis donné l'objectif de lui prouver que le terme hentai, ça allait apporter les vues. Donc, ah oui. Ça fait depuis longtemps que je voulais la faire, cette vidéo. Et elle sera faite. C'est mon objectif. De toute façon, il n'y a que trois choses qui rapportent: le sexe, la drogue et le cul. Merci Didier. C'est parfait. Didier, ça, c'était c'est la conclusion de cette émission. Sur ces bonnes paroles. Tiens, Gambilf. Des streams de Gambilf. Chatrubate. Hashtag chatrubate. Chatrubate. Non, mais Gambilf, ce que je te conseille comme jeu, c'est Fairy Tail. Voilà. Le conseil du jour. Marc, voilà, c'est le conseil du jour. Alors, non, alors c'est pas. Bah alors Marc, c'est pas, on a des dossiers. C'est du shonen, c'est du shonen. Lui, c'est plus hentai. Hein. Ouais, en fait, on était plutôt dans le hentai là, tu vois. C'est-à-dire que là, tu déviens un tout petit peu du sujet. Oui, un petit peu, mais bon. M'éclate maquille. Ah mais Marc, il est parfait. Marc, il est parfait. J'adore le coup. Ah, t'avais raison, il fallait le dire, ça. C'était important. Ah, c'est vraiment important. Je me permets de vous faire un petit rappel rapide. Nous sommes diffusés aussi en podcast avec Casu le Mag sur toutes les plateformes possibles. Nous sommes avec maintenant Casual Suspect en version audio qui existe. Je pense que ceux qui ont vu l'épisode d'avant le savent puisqu'on a eu pas mal de bons retours. Et qu'on va sortir tous les épisodes en mode audio également. On va faire en sorte qu'on soit diffusé sur YouTube et Facebook la semaine prochaine. On est des branques, mais on assume. Et il y aura une rediffusion Twitch et YouTube mardi et jeudi à 18h et à 20h. On va faire deux redifs cette fois, vous permettre de revoir le truc. Merci à tous d'avoir été présents, parce que c'était un très bon débat. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous, messieurs. Pareillement. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Et, bah ouais. Et puis, une bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Sans découvert. Ouais, oubliez pas les gestes barrières. Couvert, il a raison. Et gestes barrières, les gars, gestes barrières. Salut à tous, bonne soirée, ciao. Salut, c'est bon, je peux enlever mon masque.